vous enlèverez le baudrier et vous attendrez après le signal donc de l'opérateur qui vous dira allez-y. Représentants de comités d'entreprise, présidents de clubs ou d'offices de tourisme, ce matin-là, ils étaient une vingtaine à avoir répondu à l'invitation de Stéphane Dormieux, le responsable commercial groupe du parc. Avec l'arrivée des beaux jours, ces journées découvertes marquent le lancement de la saison, l'occasion pour ces professionnels de se faire leur opinion et de découvrir les nouveautés proposées. Ça fait haut quand même. En début de saison, il y a beaucoup de sites qui ont des attractions nouvelles et qui lancent des invitations aux administrateurs et au personnel, aux conseillers en séjour de l'office de tourisme, pour aller voir sur place ce qu'il en est, afin de mieux en informer le public. On ne renseigne mieux que ce que l'on connaît. L'objet, c'est de venir voir un peu comment ça se passe pour pouvoir emmener un groupe d'enfants en fin d'année pour les récompenser de leur bon travail au judo. Plus qu'une découverte pour certains de ces visiteurs un peu particuliers, ces journées sont de véritables chasses aux bonnes idées. On a un CE, on représente aujourd'hui, on a 311 salariés. Donc on se fait force de proposition sur des choses comme ça pour justement permettre aux salariés de découvrir des activités qu'ils n'auraient pas forcément eu l'idée de découvrir par eux-mêmes, quoi. Des journées commercialement importantes pour ces organisateurs car les groupes représentent 13 à 15% de la fréquentation du parc. On travaille de plus en plus sur le groupe et sur une part importante du groupe qui est liée à l'entreprise. Sur de la journée séminaire et des activités qu'on appelle incentives, où de plus en plus de sociétés sont friandes de ce type de journée. Ça permet nous aussi de prendre un peu la tendance sur les activités. Et les nouveautés 2011 ont fait sensation ce matin-là. Reste à remplir le carnet de réservation. L'année dernière, le parc a connu un record de fréquentation avec plus de 120 000 visiteurs.